l'adjoint de la DAS et Madame Cadeau, inspectrice principale de la DAS. Nos propositions ont été écoutées, ont été lues. Le projet actuel, tel qu'il existe actuellement, doit être complètement remanié parce qu'il ne s'inscrit pas dans sa totalité tel qu'il est dans la perspective médicale, médico-sanitaire, enfin médico-sociale et sanitaire actuelle. Pour nos enfants, tous les enfants seront complètement vus, reçus avec les parents pour discuter de la meilleure prise en charge possible pour chacun, dans un contexte de proximité et de prise en charge adaptée tant en sanitaire qu'en médico-social. Pour le personnel, nous avons énormément insisté au niveau du personnel. Alors le travail fait du personnel dans sa motivation, dans son travail depuis des années pour la prise en charge de nos enfants, dans une prise en charge de qualité, on a absolument tenu à ce que ce soit mis en valeur et on a demandé à ce qu'il y ait une rencontre de la DAS avec le personnel pour pouvoir justement prendre en compte cette démarche professionnelle. Que notre demande a été écoutée, mais bon, voilà, on est quand même dans une certaine expectative, on ne peut pas la nier. On est dans un système qui est aujourd'hui de gestion au plus proche effectivement des capacités de prise en charge et au plus proche des besoins. Les besoins vont être pris un par un. Montreuil est hors de question et ça nous a bien été redit et on a demandé un courrier écrit qu'aucun de nos enfants du 77 aille sur Montreuil. Ça, c'est quelque chose d'essentiel, qui est une écoute et qui est une prise en charge pour chacun des enfants avec une concertation en individuel. Maintenant, la fermeture de Brol, eh bien, pour le moment, on ne peut pas encore nous garantir de la non-fermeture de Brol. Voilà. Aujourd'hui, c'est premièrement que le travail extraordinaire fait par le médical et par le sanitaire et l'enseignement a été reconnu. Ça, c'est une première chose. Ils encensent tout le travail qui était à Brol, ça vous le savez déjà. La deuxième chose, c'est encore une fois, les familles, ils ont accepté de recevoir individuellement les familles pour redéfinir avec chaque famille ou collectivement les besoins de chaque enfant pour pouvoir après, si Brol continue tel quel, pouvoir redéfinir précisément de quoi on a besoin. Et si Brol ne continuait pas, eh bien, vous pouvez discuter la queue pour les enfants. Mais en tout cas, ils veulent véritablement rassurer les professionnels comme quoi ils ont bien pris en compte l'extraordinaire travail qui est fait. Deuxièmement, les familles se rassurent. Quoi qu'il arrive dans l'avenir, de toute façon, il y aura sûrement des places pour nos enfants. Voilà. Sur le 77, de toute façon. Ça, c'est ça. De toute façon, il n'est pas question d'aller à Montreuil et les sujets ont été très clairs avec nous, ils ne nous attendent pas à Montreuil. Donc, on continue.